Depuis le temps que je dois présenter mon plus gros coup de cœur, et bien c'est parti. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vais vous parler de Bloodsong, le tome 1, La Voix du Sang. Bloodsong est un roman de fantasy écrit par l'auteur anglais Anthony Ryan. C'est un roman qui fait partie d'une trilogie publiée chez Brajlon. Le deuxième tome est Le Seigneur de la Tour et le troisième La Reine de Feu. Quand l'histoire commence, nous découvrons Baelin Alsorna, prisonnier de l'Empire Alpiran. Il est sorti de ses geôles pour livrer un duel judiciaire. Pour ce dernier voyage, il est accompagné de Vernier, un chroniqueur, à qui il va raconter le récit de sa vie. Vaelin commence alors son histoire quand son père le dépose à l'âge de 11 ans devant la loge du 6e ordre, un ordre religieux qui forme des combattants redoutables. Anthony Ryan est un auteur qui s'est d'abord fait auto-éditer, puis qui a attiré l'attention de maisons d'édition. Pour la forme du roman, Bloodsong est divisé en deux parties. La première nous raconte son adolescence, son apprentissage au sein du 6e ordre, et la deuxième partie nous raconte sa vie en tant que soldat et les complots et guerres dans lesquels il va être entraîné jusqu'à sa capture. Au sein du 6e Horde, Baelin va se lier d'amitié avec quelques camarades, notamment Kaenis, plus intello que guerrier, plus apte à la rêverie qu'à se battre. Il y aura aussi Nortin, un fils de noble, avec qui tout ne va pas être facile au premier abord entre Baelin et lui. Puis il y aura Dentos, un fanfaron, et Barcus, un fils de forgeron. Plus tard, ils seront rejoints par un autre personnage que j'ai beaucoup apprécié, Frentis, un petit voleur agaçant au début, mais qui va vite se révéler plein de surprises. Quant aux personnages féminins, ils ne seront pas en reste. On rencontrera Sherin, une membre de l'ordre des guérisseurs, Lyrna, une princesse très manipulatrice, et Cella, une apostate touchée par la ténèbre, une magie interdite dans le royaume de Vaelin. Quant à Vaelin, pour moi, ce personnage est un gros coup de cœur. C'est le genre de personnage que j'adore, un personnage qui a de l'honneur, ses principes. Il est certes fort, mais pas doué en tout, et puis il a un petit côté torturé. En tout cas, dans Bloodsong, les personnages sont pleins de surprises, tellement qu'entre la période jeunesse et la période adulte, les personnages que j'aimais et que je détestais se sont complètement inversés. S'il y a bien deux périodes distinctes dans le livre, j'ai autant aimé l'une que l'autre, même si j'ai un peu été triste de quitter l'ambiance du 6e ordre, j'ai trouvé que les deux parties s'équilibraient bien. L'apprentissage de Vaelin au sein du 6e ordre n'est pas du tout ennuyeux. En plus de découvrir l'ordre, son fonctionnement et les personnages qui gravitent dedans, le parcours du héros est ponctué de plusieurs rebondissements, mais aussi de la découverte de son don, un don qu'il va devoir cacher, car oui, il est quand même dans un ordre qui chasse les gens qui sont touchés par la magie. Et concernant cette magie, j'ai beaucoup aimé comment elle est apparue de façon discrète au début de l'histoire. On pourrait même croire qu'il n'y a pas du tout de magie au début du récit. Puis la magie se met tout doucement en place, se révèle crescendo au fil des pages, voire au fil des tomes. Dans la deuxième partie, Baelin en apprend plus sur son don, mais il est aussi plongé au cœur des complots, de la part de son roi, de Lyrna, de son ordre. Tout ça va le mener à une guerre qu'il ne désire pas. Baelin va devoir faire des choix, et il ne va pas faire forcément les bons. Ce livre est un énorme coup de cœur pour moi, mais si je devais donner un point négatif, c'est que dans la deuxième partie, j'ai eu un peu du mal avec la temporalité des événements. J'avais du mal à situer l'âge de Vaelin et de ses camarades. Et un deuxième point négatif que je pourrais citer, c'est la vieille prophétie qui débarque en plein milieu du récit. Pourtant, ça partait bien, hein, mais à croire qu'un livre de fantaisie sans prophétie, c'est pas un livre de fantaisie. Mais bon, elle m'aura bien fait rire en tout cas parce qu'elle apparaît vraiment très tardivement. À croire que l'auteur voulait vraiment placer une prophétie dans son récit. Et enfin, j'aurais bien apprécié qu'on en apprenne plus sur les autres ordres, vu que là, on est surtout focalisé sur celui du 6e. Pour conclure, ce roman est très addictif, un véritable page-turner, un roman d'initiation qui s'ouvre sur la vie adulte de Vaelin, avec un peu tout le monde qui désire le manipuler. Bref, le pauvre, il va devoir se dépatouiller avec tout ça, et avec d'autres intrigues peut-être un peu plus menaçantes et qui se révéleront tout aussi intéressantes. Bloodsong est un roman de fantasy avec tous les éléments qu'il faut dedans, complot, combat, guerre, magie, légende, amour, un livre complet dans lequel j'ai adoré me plonger. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactu, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.